Je sais que généralement, tu n'utilises pas complètement ton quota de temps. Donc voilà, à toi la parole. Je n'ai pas de visuel particulier à montrer, donc je te mets en plein écran. Mais voilà, quelles sont les actualités vélo et randonnée dans notre région des balades rambolitaines? Alors, donc je vais faire très court, je vais encore diminuer mon temps pour te laisser la place à Claude derrière, Merci à toi, merci à toi. qui est un sujet passionnant que je vais écouter avec beaucoup d'attention. Bon, alors, concernant la randonnée et le vélo, je vais commencer par la rando. Donc, il y a plein de choses et on a la chance aujourd'hui, en cette période, d'avoir un automne très très doux et notamment une forêt magnifique. Alors j'ai fait une petite activité randonnée ce jeudi avec un groupe de gens de mon village et de communes, des habitants autour, et on a fait Saint-Léger, les étangs de Hollande, Saint-Léger-en-Yvelines, on est revenu. Et donc ce petit parcours, un petit parcours, moi j'ai l'habitude de faire le jeudi après-midi des petits parcours de 10 km, parce que bah, les personnes qui m'accompagnent ne travaillent pas, ont déjà un certain âge, donc on fait une moyenne de 4 km/h, et donc là, comment dire, c'est ouvert à beaucoup de monde, à tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. Et derrière, j'en profitais justement de cette randonnée de forêt de Rambouillet, donc pour parler aussi, pour aborder le petit point, sans juste succinctement. Et on a la chance dans cette forêt d'avoir des champignons. Et moi, je vous conseille pour ce week-end d'aller voir aux Essarts-le-Roi l'exposition du CERF sur les champignons, ce qui est très pour les passionnés, puis les non passionnés, puis de découvrir. Venir avec vos champignons. Autrement, j'ai cette randonnée, si vous voulez la retrouver, vous pouvez la retrouver sur le groupe Forêt domaniale de Rambouillet, qui est accessible au public. Et j'y ai mis une vingtaine de photos. Le circuit, je travaille avec une application, avec 4-5 applications, mais là j'ai mis une seule application. La randonnée, je la mets sur Wikiloc. Moi je le conseille, hein, c'est gratuit. Et je pourrais l'aborder plus profondément, en faire une présentation, parce Ouais, que je pense que c'est c'est une bonne idée. Il y a beaucoup un autre jour, oui, bien d'applications. sûr. Ouais. Ça pourrait être, j'en ai deux ou trois comme ça, qui sont relativement importantes. Après, c'est pas au pas, c'est au kilomètre, c'est fait par satellite, donc je rentrerai pas dans le détail. Moi, mes randonnées, elles vont dans le centre Yvelines, le sud Yvelines, le parc naturel. Et je n'irai pas plus loin dessus parce que après ça serait trop long et je voudrais écourter justement le tour des randonnées. Une petite remarque particulière, l'ONF a communiqué sur les jours de chasse en forêt de Rambouillet, et ça c'est très important pour les randonneurs et je pense que c'est un point d'actualité qu'il faut relever. Et moi je l'ai mis sur la Gazette, sur mon blog, la Comme Gazette du ça. Montfortois. Donc, il y a les randonnées, les jours de chasse. J'ai mis deux articles séparés parce que c'est deux forêts domaniales qui sont séparées d'une bonne quinzaine de kilomètres. La forêt domaniale de Benne, pour laquelle les jours de chasse, je crois, c'est le lundi. Et la forêt de Rambouillet, pour laquelle il y a des jours de chasse. Côté ouest, c'est le lundi, si je ne me trompe pas. Et le côté est, c'est le vendredi, si mes souvenirs sont exacts. Donc, D'accord, concernant. donc des journées qui ne sont pas les mêmes, donc pas facile à s'y retrouver pour les randonneurs. Oui, Alors, oui. au niveau national, on parle d'identifier une journée, la journée du dimanche, qui serait une journée sans chasse. Ce n'est pas encore acquis, mais ça semble être dans Ça, le. ouais, je me suis pas penché dessus, mais parce que après là c'est beaucoup plus global et c'est là c'est la sous comment dire sous arrêté préfectoral, les jours de chasse sont établis de telle date à telle date dans l'année. Et là, concernant ces jours de chasse, ça serait à partir du si mais c'est du 3 octobre au 27 février. Donc pour les lundis et les vendredis. Donc à D'accord. regarder de plus près sur le site de l'ONF où c'est tout est indiqué, voire sur mon site, la Gazette du Montfortois, parce que moi je l'ai indiqué, autant s'en servir. Bien sûr. Je vais passer à la. Jean-Luc, juste un mot par rapport à ça. Ça, ce sont les chasses qui sont ONF. gérées par l'ONF. ONF. Oui, mais ce sont les chasses gérées par l'ONF. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres chasses Exact. gérées directement par les chasseurs. À ce moment-là, Oui. il faut faire très attention au panneau. Oui, il faut faire très attention aux panneaux qui indiquent Tout justement jour de chasse.
Et donc, pour l'ONF, c'est vrai que pour les randonnées, ils indiquent de ne pas rentrer sur les territoires parce qu'il y a, il y a, il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques d'accident. Après, on en prend connaissance. Je sais que les randonneurs préfèrent ne pas randonner ces jours-là. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait une petite information concernant cette rubrique. D'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les autres jours, on peut quand même tomber sur des chasses qui ne sont pas gérées par l'ONF. Exactement. Ce sont des chasses communales qui, elles, sont gérées par par l'arrêté préfectoral. D'ailleurs, je vais le mettre en ligne aujourd'hui, l'arrêté, avec les dates et tout, donc le fonctionnement de ces chasses qui sont liées aux clubs locaux. Donc, hein? attention aux chasses, quel que soit le jour de la semaine. Oui, oui. Enfin, oui. Ça peut être. Et normalement, ils sont soumis à des règles à indiquer avec les panneaux. Attention au jour de chasse. Et là, c'est sous gestion des associations locales qui ont des droits de chasse sur certaines parcelles et pas sur d'autres. Et d'accord. Ça, c'est de la gestion purement locale. Locale, absolument. C'est ça. D'accord. Je vais passer vite fait à la rubrique vélo. Mm-hmm. Alors, c'est pareil, je vais rester sur les alertes. Pour les cyclistes, les cycles. Alors. Moi, c'est vrai que j'ai plus un esprit cyclotouriste parce que je suis dans un club, celui des Essarts-le-Roi. Là, j'ai ce cyclo. Mais là, aujourd'hui, je vais peut-être parler d'un autre club, celui de la CMM, l'Amical Club de Méré-Montfort qui existe. C'est un petit club, mais il mérite un petit coup de comment dire, un petit regard. Donc, c'est un petit club qui a une trentaine, une quarantaine d'adhérents, je ne sais plus combien, mais peut-être même plus maintenant, mais ils organisent des sorties en semaine et puis des sorties le week-end, et ils ont leur rallye qui est au mois de septembre, que je trouve super. Cette année, je n'ai malheureusement pas pu participer pour des raisons de planning familial, et c'est vrai que j'aime bien aller chez eux, c'est très convivial, on a un club qui nous reçoit très très bien. Donc, on a le petit sandwich à la sortie, la récompense après l'avoir fait. Et leur circuit est surtout sur l'ouest et la forêt de Rambouillet, où on utilise les routes forestières. Praticables en vélo de route, hein, je dis, hein, parce que c'est des parties goudronnées, il y a des endroits, c'est juste, mais ça passe quand même. D'accord. Donc, je tenais à apporter mon petit clin d'œil au club de Méré-Montfort. Aussi, faites très attention le dimanche, beaucoup de travaux en ce moment pendant la période de la Toussaint, beaucoup de travaux sur les routes et beaucoup de circulation de routes coupées, où le département est en train de renouveler les tapis, les bordures, et notamment sur la 912, la piste cyclable entre Le Pontel, c'est-à-dire en bas de Jouarre-Pontchartrain, Villiers-Saint-Frédéric, vers Méré jusque la Quenée. Dernier point important, cette semaine a eu lieu l'annonce du Tour de France Hommes et c'est vrai qu'il partira de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la dernière étape pour rejoindre les Champs-Élysées et surtout pour les passionnés de vélo, les cyclistes passionnés, parce que là c'est plutôt cyclo-sportif, cyclo-touriste et donc les gens s'en retrouveront comme ils ont l'habitude de faire. On ira sur les Champs-Élysées pour attendre à accueillir les coureurs comme d'habitude. Bon, ben je vais arrêter là parce que ouais, comme ça c'est. Bien, c'était dense déjà. Merci à toi. Hein. Ouais. Et puis de passer après, ça va basculer sur Claude qui lui passionné de vélo aussi. Oui, tout à fait. C'est d'autres formes, moins sportives, plus régulières, coutumières. Donc j'utilise voilà, je